La famille, je voulais aborder un petit sujet avec vous vite fait en balle là. Est-ce que vous trouvez ça normal d'aller voir un influenceur et de lui dire hey, mon ref, tu peux me partager ça s'il te plaît, tu me donnes de la force gratuitement? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est ça ma question. Est-ce que c'est normal? Est-ce que dans le bail, c'est normal? Il n'y a rien. Je vais répondre à tout le monde en même temps. Les seuls qui peuvent me demander ça, c'est des gens avec qui j'ai grandi. C'est les seuls qui peuvent me demander ça. C'est les seuls qui sont légitimes. Parce qu'ils ont grandi avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de l'affinité, on se connaît depuis longtemps. Même s'ils me donnent plus de nouvelles, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la règle de la street, frérot. T'as grandi avec des gens, même ça se calcule plus, ils viennent te calculer après, c'est le premier qui pète. Le premier qui a un petit peu de lumière, il donne de la force à ses frères. Marlich, il te calculait plus, vous avez mangé dans la même gamelle à l'époque, c'est pas grave. Mais les autres là, les autres, ceux que tu connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, est-ce que moi je viens vous voir pour ceux qui travaillent à la station essence par exemple, est-ce que je viens vous voir et je vous dis hey, mon frérot, c'est l'aime, hey, t'es un musulman, je suis un musulman, vas-y donne un peu de force. Mets-moi 20 euros de gasoil s'il te plaît ma gueule. Voilà, mets-moi 20 euros de gasoil, tu travailles, tranquille, mets-moi 20-30 euros, mets-moi un plein s'il te plaît. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, poto. Tu peux pas dire à des gens, t'as capté la gratuité. Boss, bien. Dis-leur, est-ce que la gratuité ça existe? Yes or not? Hein? La gratuité. All free on the world is not free. Non. Which one? The all free is not working. Not working? Non. All item is not free. You no. Pay every not free. Yeah. Ah ouais, poto, hey, rien qui est gratuit, c'est bon, ma gueule, c'est bon. Hey, hey, rien qui est gratuit, ma gueule. Je sais pas si t'as capté. C'est mon refrain, lui. Voilà, que personne lui parle mal. Parce que s'il y a quelqu'un qui lui parle mal, voilà que je vais pas sortir chez moi. Ah, je rigole, c'est la famille, ça. What's happened? Where? Here? Ah, office, ah ouais, non, c'est pas mon. T'as capté? Je suis un taxi, moi, je suis pas. T'as capté? Je suis pas Uber. Uber, c'est vers là-bas, moi, c'est taxi là-bas. Ouais, donc je t'explique. T'as vu, on essaie de rendre service au ref, ma gueule. Voilà, commencez pas à critiquer, dire que Mar, il est chelou. T'as vu, dès que je vois un Kemet, t'as vu, il est garé, il sait pas trop où il va, je le ramasse, t'as capté? Il se passe trop de trucs dans ma vie, ma gueule. Bon, bref, on va pas s'égarer. À quelle heure quelqu'un est déjà venu me voir pour me dire hey, poteau, t'as besoin de quelque chose? Vous trouvez ça normal de venir dans le travail des gens et de leur demander la gratuité? Genre, il y en a, ils ont pas de retenue, ils ont pas de rachement. Ils viennent, ils t'envoient un message hey, s'il te plaît, tu peux partager et me mentionner? Et les gens qui ont encore plus rien compris à la vie, ils te disent mais toi ça te coûte rien, tu parles, c'est tout. Mais j'ai failli mourir, poteau. Poteau, je risque ma vie tous les jours, ma gueule, qu'est-ce que tu me racontes, poteau? Eh poteau, concentre-toi, ma gueule. Concentre-toi. Et dis-toi que moi, je suis pas les autres, ma gueule. Moi, t'as vu, j'ai pas de piston. Je suis pas pistonné, frère. Moi, il n'y a pas d'émission avec. Tu vois, ils m'ont pas boosté sur des trucs, t'as capté? Moi, ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Tu vois pas? Donc moi, j'ai dû me faire beaucoup d'ennemis. J'ai pas d'amis. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu payes, frère. Tu payes. On se fait menacer. Tu payes, frère, wesh. Si encore j'étais là, grande émission, tout le monde est là, tu vois ce que je veux dire? Je fais 2 millions de vues. C'est bon, carré. Tu vois, je peux virer de temps en temps, fils là, vas-y tranquille, tu vois. Là, calmez-vous. Envoyez les PayPal et rendez pas ouf. Ouais, ça m'a écoute, poteau. La famille, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous vous attendez à ce que je dise quoi là? On en parle des gens qui prennent plus de 100 euros par jour en ce moment avec moi ou pas? Je sais pas. C'est quand même extraordinaire. Je sais pas, j'ai pas le droit d'être content. Je sais pas, quand je le poste, les gens ils viennent, ils me disent ouais, tu crois que c'est. Et c'est un truc de fou, frère. Tu poses 500 euros tous les jours, tu prends plus de 100 balles. Wesh, hey, réveillez-vous. C'est pire qu'un rendement d'appartement. T'achètes un appart, tu te ramènes 500 balles par mois. Là, tu poses 500 euros. On parle de rendement de fou Lex Blex. Et j'ai pas le droit d'être content. Les sceptiques, quand t'es sceptique à 500 euros, c'est vraiment que t'as une vie. Ah ouais, frère, oula. Oula. Ceux qui peuvent pas se permettre, attention, ça n'a rien à voir. Je parle de ceux qui veulent faire, qui ont l'argent, mais qui font les sceptiques pour 500 balles. Archem, frère, oula, vous me faites honte. Enlevez-moi, déjà, enlevez-moi de Snapchat, déjà. Les gens là, attention, pas les gens qui ont pas miskin, t'as vu, ils ont pas, c'est dur, pas de problème. Ne venez pas, y a ça à vous. Inch'Allah, un jour vous allez avoir, vous allez pouvoir venir avec nous prendre des thunes. Mais les gens qui sont pleins, qui sont gavés, qui mettent 500 balles dans des paires de pompes, dans des deuxièmes téléphones pour tromper leur racli. C'est à vous que je m'adresse. Je me souviens à l'époque, il y a 3 mois quand j'avais commencé, quand j'étais petit dans le trading.
J'ai fait du bruit, mais j'étais petit encore. T'as capté ou pas? J'étais un petit. Je suis arrivé. Ouais, j'ai trop de vent là. Ouais, c'est quel bail là? Twister? C'est l'apocalypse. Quand je venais d'arriver dans le trading, j'étais encore un petit. Les gains, c'était du 20 euros, 15 euros, tu vois, 30 euros jour. Tu vois, c'était bien, mais. Ah, vas-y, tranquille. Là, on parle sérieux là. On parle dans les 3 chiffres par jour. C'est une dinguerie. 114, 140 euros. Des fois 250, 263. Eh, des chiffres de fou. Je vous le dis, la famille. Là, on est en train de faire des dingueries. La famille, c'est très très simple. Si tu sais faire copier-coller, tu sais faire de l'argent. Il y a un trader qui t'envoie des signaux. Tu t'inquiète pas. Tous ceux qui étaient là 3 mois avant, tous ceux qui étaient là il y a 3 mois de ça, ils étaient comme toi. Ils connaissaient rien au trading. Ils connaissaient rien. Ils sont venus comme toi en mode eh, vas-y, je vais où, je fais quoi. Il y a Léa. Il y a même Nadé dans le groupe Blata Gang qui est là pour vous accompagner. Tellement on est sûr de nous, on ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre. On commence pas à vous présenter des gens, après on dit ah c'est pas nous, c'est nous. Il y a un problème, c'est nous, on est là frère. Dis c'est Marc Blata, il m'a envoyé au feu, c'est bon ou pas? Là on a porté nos coronets ou pas? S'il y a un truc, viens pas dire c'est Pierre-Paul Jacques. C'est Marc qui m'a envoyé au goulag, c'est bon ou pas? Wesh, faut vous parler comment? C'est comment faut vous parler en fait? Voilà, c'est une dinguerie. Ah, je prends de l'argent aussi, arrêtez de croire qu'on est là pour mentir, nous on sent pas la race. Ouais, on prend de l'argent sur l'affiliation, etc. On vous dit ce que les autres ils vous disent pas. Tu sais, les autres qui ont rep, parce qu'on dirait que c'est pas clair leur business. Ouais, mais tu prends de l'argent comment? Ouais. Non, moi ça me fait plaisir de vous aider. Ouais, bien vu ma gueule. Ouais. Déjà, même mes propres frérots, quand ils me demandent de l'aide, je bégaye, je suis comme ça. Et toi, tu me dis, ouais, t'es venu aider gratuit des gens sur Snap. Arrêtez de suivre des bluffeurs, oula. Arrêtez de suivre des gens, taille, c'est louche. Quand vous les voyez, vous avez vu que c'est louche. Vous voyez très bien que c'est louche. Là, c'est transparent. Là, il y a tout le monde prend de l'argent. Le trader, moi, vous. Moi, je m'en fous de dire je prends de l'argent, vous t'en prends. C'est quoi le truc? Si j'étais pas clair, j'aurais fait comme les autres. La famille, je suis venu vous aider. Bon, voilà, c'est un problème. Je vous ai présenté quelqu'un. Je vous ai présenté personne. C'est fini les présentations. Donc, prends ta vie en main. Change ton quotidien. Fais de l'oseille. L'histoire, elle est très claire, la famille. Je te mets le lien du Telegram en swipe up. Tu connais rien, c'est pas grave. Tu veux faire de l'oseille? T'inquiète, écoute Bibi, t'inquiète pas. Tu swipe up, t'arrives sur le canal Telegram. Tu cliques sur Léa, le nom de l'admin. Tu lui dis, écoute, comment on s'inscrit, tout ça, va tout t'expliquer. Aujourd'hui, c'est réglé, ton compte il est prêt, c'est bon, t'es prêt à trader. T'as capté ou pas? Je ne sais pas encore combien de temps on pourra ouvrir des comptes de trading comme ça à tout le monde. Je fais un peu la corrélation avec le VTC. Tu te souviens le VTC à l'époque où tu pouvais faire l'oseille? Et après, ça a commencé à te dire, non, stop, va falloir une carte maintenant. Eh les frères, réveillez-vous vite. Les frères du VTC, tout ça, réveillez-vous vite. Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. C'est pas après dans 2 ans vous entendez ah à l'époque là oui si c'est gavé avec le trading. Ah nanani nanana. Ah ouais bah poteau frérot. 100 euros jour, tu fais vite le calcul, hein. 100 euros jour à peu près. Il y a des journées en perte, on dit la vérité. Voilà, tu t'as fait 3 journées à 100, 150, 200 balles. L'autre après t'as perdu 50, 60 balles. T'as capté ou pas? Eh nous, il n'y a pas de bluff chez nous, c'est carré, c'est transparent. Les gens ils sont contents, ils mettent leur visage, ils viennent, ils témoignent. Je sais pas, vous voulez quoi? Vas-y, en vrai de vrai. C'est quoi là le truc là? C'est quoi que tu comprends pas? 500 balles, tu fais le sceptique, 500 balles. Fais le sceptique avec 200 000 euros, frère. Fais pas le sceptique avec 500 balles. Faites les anciens après dans les chichas, frère. Juste ici, le canal Telegram. Télécharge Telegram, c'est gratuit. Inscription, c'est ton compte, c'est ton dépôt des 500, c'est ton argent. Tu sors quand tu veux. La plateforme, elle t'offre 250. C'est-à-dire que tu commences à trader avec 750 euros. C'est carré de fou malade. Rate pas le coche, la famille. Tous ceux qui ont fait des témoignages, vous avez entendu ce qu'ils disent? Eh, je regrette d'être pas venu avant, en vrai. En vrai, je regrette d'être. C'est ce qu'ils disent tous. Je regrette de ne pas avoir ouvert la porte. Je vous ai parlé plus que français. Je vous ai parlé plus que français. Juste ici, tu swipe up, tu commences à faire du bif. Tu m'enverras des vidéos. Ça bouge pas. Regardez, la famille. Très, très simple. Très, très simple.